Comme fraîchissant là. Donc vous allez m'excuser tout à l'heure parce que j'étais. Il y a les gens qui m'ont demandé l'amitié et qui me harcèlent quand je suis en direct comme ça, ils appellent. Donc j'étais obligée d'arrêter mon direct pour les comment on appelle ça, bloquer quoi. Parce que moi je m'amuse pas avec les gens. Voilà, ça se passe comme ça avec moi. Comme fraîche. Voilà. Donc excuse-moi tout à l'heure. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui me harcèlent dans les réseaux sociaux, comme j'ai dit. Donc, cette fameuse personne, elle me voit en direct. Pour perturber mon Facebook, elle se met à appeler. Donc, comme elle est amie avec moi, c'est très marrant. Hein? La personne-là est amie avec moi et la personne-là se permet de m'appeler étant en direct. Donc, j'ai obligé d'éteindre mon Facebook et la bloquer. Et c'est à vie. Car seulement quand moi je bloque, c'est à vie parce que j'en ai rien à foutre de vous. Quoi. Question, j'en ai rien à foutre. Quoi. Donc voilà, on est réunis tous aujourd'hui là. Connaissez-vous? Il y a une star là qui s'agit trop. Parce que moi, je suis la seule star black attaquée dont les noms aux gens, les noms restent. Comme je vois que tu as besoin qu'on te fabrique un peu, que tu aies aussi un nom. Les Dagobert, les Dagobert. Quand je viens dans les trucs comme ça, je suis content jusqu'à. Bon. Aujourd'hui, on boit quoi? On boit quel champagne aujourd'hui? Je ne sais pas. J'ai mal aux yeux, c'est pour ça. Oui, aujourd'hui, on va... Non, je sais qu'il y a des gens qui... Je vous ai dit que la plupart des gens qui m'appellent quand ils sont dans mes directs sont amis avec moi. Ça, c'est une personne que je ne connais même pas. Elle s'appelle Émilie Ngono. Chaque fois que je me vois en direct, elle vient pour faire du mal. Elle appelle. Pour essayer de fermer mon Facebook. Donc du coup j'ai dit que bon, comme la dernière fois j'ai voulu la bloquer, j'ai encore dit non, elle a fait la même chose, j'ai arrêté mon direct et je suis allée la bloquer. Et là c'est à vie, elle sera obligée de créer un autre faux compte pour revenir vers moi, ça passera comme ça. Bon, j'ai appuyé la crème fraîche, les pâtes. Ceci, les Yoplait, les riz. Voilà, c'est bon. Hein? Est-ce que je trouve un bon Dagobert pour moi? Tiens, ça fait un moment que je n'ai pas bu de whisky, moi. Oh! Regardez ça. J'adore quand je vois les whisky comme ça. Ah. La stamania de ça. Je suis chez mes maris, mes époux sont là, les Dagobert. Ah, voilà un là-bas. Mais je n'arrive pas là-bas. Ouais, j'ai fait comment pour arriver là-bas. Oh. Coucou. Maman qui va même m'aider ici. Ouais, voilà un bon Dagobert là-bas. Et la taille est quelque chose de bien. Hein. Ah, oh, Elisa Bilo, ne te fâche pas, on va. Émilie Ngono a tué. Qu'elle va un peu se reposer dans les choses là. Après, les gens pensent que moi je m'amuse. Moi je n'amuse plus avec les gens. Je m'amuse plus, je vous dis. Je m'amuse plus parce que ça fait des années que ça dure ce genre de harcèlement. Quand on vous parle, vous ne croyez pas. Et ça existe, c'est vrai. Il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ils te voient en direct comme ça, ils viennent. En plus, c'est mon ami. Je ne savais même pas que c'était mon ami. Hein. Oui, Émilie, bon, je ne savais pas que c'était mon ami. Oui. J'ai dit que bon, j'ai arrêté le direct. Je suis allée là-bas voir qui était. Il est bloqué direct. Elle va crier après. Non, la veuve, je m'amusais seulement. Parce que la dernière fois, je crois qu'elle et moi, on a discuté. Elle m'a dit qu'elle ne le fera plus. Mais là, elle a refait. Pour rien, elle s'en va. Elle va passer le week-end sans voir sans me voir. Oui, c'est vrai. Hein. Elle m'avait fait un moment là, elle m'appelait tout le temps. Après, elle me dit non, elle s'excuse et tout. Mais tu t'excuses. Mais tu refais la même bêtise, non? Non. Ouais, je cherche ce qu'elle veut boire aujourd'hui. On est samedi, en fait. On est samedi, il ne fait pas beau dehors. Et c'est un jour que je reste chez moi. Et quand je reste chez moi, j'ai envie de boire du bon vin. Coucou, Mila Bellissima. Million Yaya Moto. Yaya,
Yaya Touré, Yaya Touré, ma milliardaire, Yaya Touré. Je cherchais quelque chose pour boire aujourd'hui. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Bon, je m'en vais un peu au rayon jusqu'à là-bas. Bah oui, c'est le week-end un peu. Non, aujourd'hui on est réunis là parce qu'on va donner le nom à une star. Il y a une star en Blacatala qui s'agite trop. Elle a besoin d'un nom. Ah oui, mais je peux prendre. Je peux prendre ça, ça coûte combien? 17 euros. Ça coûte combien ça? Le grand, ça c'est 28 euros le grand. Ça c'est 22 euros. Ça, c'est... Ah, 17 euros. C'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais j'ai pas même une fois pour 28 euros. Comme ça, je me tue une fois à la maison. Non. Parce que maman, si je bois, maman, non, je peux pas le faire. Je me connais. Si je bois mon whisky là. Hey! Là, je ne vais pas plus sortir, mais pendant 6 jours. Bon, ah! Il faut trouver un bon petit whisky. Non, connaissez-vous. Parce qu'on va introniser, une star. Elle a un grand nom. Parce que moi, je n'aime pas trop qu'on s'agite comme le sac de crabe dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu cherches quoi? Tu cherches la Stamania, hein? Comme tu veux te montrer que tu es star, je vais t'introniser au rang des stars. Parce que tous les stars de Facebook camerounaises ont des noms. Eh oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler. Ouais, je cherche ce qu'elle veut boire. Ouais, Dieu. Je ne sais pas ce qu'elle veut boire. Je tourne là depuis, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux? Quand elle veut avoir encore l'argent. Hey, je venais comme ça, il prenait 6 bouteilles. Bon, on se décide là maintenant. Hein, parce que là, c'est bon là. Hmm? Et le Valentine. Bon, on va prendre. Oh, c'est pas vrai. Je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas. Comme c'est samedi. Allez. Je vais prendre un petit truc comme ça. Allez, c'est bon. Okay, le whisky aussi, je n'ai pas trop envie de saouler aussi, parce que sinon... Non, on va y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Non, le balèze, c'est mauvais. Hein. Non, aujourd'hui, c'est moi qui donne les noms à toutes les stars de Facebook. C'est moi. Et le nom que je vais te donner, comme tu t'agites comme le cul magique là, le nom là va rester. Eh oui, c'est comme ça, ouais. Ouais, j'ai même pas pris de sac. Oh. Allez me réveiller Liliane Mengue, parce qu'il faut une fois un nom. Les produits à Bomos, allez la réveiller un peu. Elle s'agit trop. Allez la réveiller, allez lui dire que la veuve joyeuse l'appelle ici. Regarde, c'est la seule apparemment qui n'a pas encore de nom à Facebook. Il faut qu'elle ait sa part de nom. Le belaise? Non. Ça fait grossir, attends. Tu as jamais mélangé le belaise avec le soda dans un verre? Fais l'expérience. Tu parles à ma femme de part d'agouvert. Mélangez, prenez le belaise, vous mettez les glaçons. Et vous mettez le soda. Ça gonfle. C'est comme ça gonfle là-dedans. Mais ça, regardez. Je suis une ancienne. Je connais. Non, j'ai pris un petit Dagobert là. On va aller me réveiller Liliane Mengue. Qu'elle vient un peu ici. Elle s'agit trop. Je vais la titiller un peu ce matin. Elle s'agit trop, ce n'est plus bon. Attends, la dernière fois, j'avais pas pris de rien. Je sais pas. C'est pas grave, c'est pas net. De fleurir comme ça, basmati, des pâtes, et c'est bon. C'est bon. Hier, j'ai fait le gombo. Là, je n'ai plus du tout envie de manger ça. C'est une copine qui est venue manger ça hier soir. Coucou. Madame Rebelle, il y a un mangue. Qu'elle vient supporter son nom ici. Allez la réveiller, dis donc. Parce qu'elle est star.
Je vais donner un nom. Un nom très mémorable. Eh ouais. Pourquoi le truc est lent comme ça? Ah oui. Un nom très mémorable parce que j'ai oublié que c'est moi qui donne les noms à Facebook. Putain. Ah, oui, oui, oui. J'arrive. Voilà, tenez. Bonjour. C'est vrai. Excusez-moi, je vais prendre. Oui, pardon. Excusez-moi. Oui, c'est ça, parce que là, comme ça dure là. Attendez, quand ils écoutaient là, dans le doux, quand le doux a mangé sa queue de bœuf, il n'a même pas évité la veuve que la veuve vient manger. Elle est trop radine, la table du doux que tu vois là. Bon, j'annonce officiellement le nouveau nom de Liliane Mengue sur la toile. On ne m'appelle plus la toile, c'est la toile. Donc, le nouveau nom de Liliane Mengue en tant que star Mbrakata, parce qu'elle est star Mbrakata. Elle s'agite trop. Qui s'agite souvent beaucoup comme ça, c'est le cube magique qui s'agite. Donc son nouveau nom, c'est Ma Cube Magie. Ce nom de Liliane Mengue, c'est Ma Cube Magie. Parce que le cube magie s'agite trop. Le sel est là. Le sel est toujours bien positionné. Donc ton nouveau nom, Liliane Mengue, c'est Ma Cube Magie. Tu t'agites trop sur la toile. Et puis tu vas dire après que oh, dès qu'on te parle quelque chose, tu vas dire que oh, les gens sont jaloux de toi. Je veux te parler. Parce que la dernière fois, je t'avais parlé parce que j'étais un peu. C'était par rapport à l'histoire de Doudou et Ngamba. Oui. Mais tu m'as fait comprendre parce que tu m'as fait comprendre certaines choses, ton point de vue et tout ça. Et hier, quand j'étais à mon direct, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Donc, comme il faut t'introniser en tant que star Mbrakata de Facebook, tu entends? Donc, ton nouveau nom, c'est Ma Cube Magie parce que tu t'agis trop. Tu t'agis trop. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu mets les postes là concernent qui? Tous les postes que tu mets, c'est pour se moquer. Si tu ne te moques pas des gens, c'est pour dire aux gens de devenir comme toi. Tu penses vraiment que tout le monde est en Europe pour être comme toi, Liliane Mengue? Hein? Tu veux trop montrer. Tu veux trop faire. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui construis. C'est toi qui fais ceci. Tiens, c'est une très bonne chose. C'est pour toi. Hein, Marc Magie. C'est pour toi. Ça ne concerne pas les autres personnes. Maman, je n'ai jamais vu une star
Blakatabaku magie. Maku magie, c'est tous les jours que Dieu a créé. Ce ne sont pas les vidéos qu'elle met, c'est les photos. Maman, maman, tu attends, non? Tout le monde n'est pas comme toi. Moi, je te traite d'arriviste. Tu entends? Tu es une arriviste. Il n'y a que les arrivistes, que les gens qui disent que si. Toi, tu es une femme que, parce que de ton vécu, tu parles souvent de ta vie dans les réseaux sociaux. Tu parles comme si les gens n'ont pas vécu la même vie que toi, la même vie de misère que toi. Tu veux trop montrer les réseaux sociaux. Attends, je vais aller m'asseoir là-bas. Parce que là, je vais un peu finir avec toi un peu. Pour te dire que y a. Est-ce que tu sais le nombre de gens qui ont tout ça plus que toi, hein, sont obligés de faire certaines choses. Hein? Liliane Mangue. Hein? Elle dit Marc, elle s'appelle pas Liliane, c'est bien, c'est Marc qui veut manger parce qu'elle fait trop. Si vous êtes ses amis à Facebook, matin, midi et soir, les postes qu'elle met, oh, si la pauvreté était comme ça, les gens, les pauvres allaient mourir, con. Maman, tu es riche. Une personne qui est riche vient se parler dans les réseaux sociaux. Tu es une arriviste. Marc, une magie. C'est moi qui te dis que tu es une arriviste. Tu ne sais pas le nombre de personnes. Hein? Qui te dépassent en tout, qui ont même des immeubles, le nombre de filles qui ont des immeubles ici à Facebook. Qui font certaines choses ici à Facebook. Tu montres tout, tu fais tout. Tu es tout, tu as trop d'argent, tu es trop riche. Mais, malheureusement pour toi, je te pose encore une question. Malheureusement pour toi, avec les années que tu vis avec ton mari, non. T'avais des années que tu vis ce que tu vis là, non. Dans la richesse, dans la joie, tout ça. Que tu aides les gens, soit dit ça, non. Ta maison familiale, hein? Pourquoi tu n'as pas fait? Tu n'as pas construit ta maison familiale au Cameroun? Tu n'as rien fait? Hein? C'est maintenant que tu construis ta première maison familiale. Tu la parles dans les réseaux sociaux et tu dis comme quoi que c'est une maison qui coûte 55 millions des fois que les gens achètent. Arrête ça. Moi, j'étais titi et j'en ai rien à foutre de retomber. Parce que j'en ai rien à foutre de moi. Quand c'est à toi, c'est l'air. Tous les jours que j'ai créé, tu me les poses pour narguer les gens. Tu nargues qui? Tu nargues toi-même. Moi, j'ai deux immeubles. Deux. Tu ne peux pas les savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est pas parce que nous, on ne met pas les choses dans les réseaux sociaux. C'est parce que nous, moi, j'ai des choses. Renseigne-toi bien. Tu viens souvent chez moi. Combien de fois tu es venu chez moi? Je connais ta maison. Hein? Tu caches toujours quoi comme ça là? Tu caches la misère, non? Pour que les gens ne viennent pas voir là où tu vis. Hein? Mais vous venez tuer dans ma misère. Et vous venez mettre les pots dans les réseaux sociaux. Hein? Il te dit que tu es marque une magie. Ça veut dire que ta tout là que tu m'as lancé éphémère. Tu fais partie des gens. Que demain, on va te moquer de toi demain. Donc, comme tu la mets bien, ça n'est rien à foutre. Si tu veux, tu me bloques. Rien à serrer. Mets bien tes pieds au sol ici dans les réseaux sociaux. Quand ta part va arriver, ça ne serait pas ce que tu entends là. Tu entends, non? Quand je dis que quand ta part va arriver, ça ne serait pas ça. Les gens vont se moquer de toi propre. Facebook, c'est Facebook. Tu montres tout. Ta maison, tu es là où tu fais les trucs. Tu montres tout. En te moquant des autres. Parce que tu as les petits gars-là qui te suivent derrière. Les petits gens qui te suivent derrière. C'est. Tu dis que je t'ai menacé et tout ça. Que tu n'as pas peur de moi. Non. Ce n'est pas question de force. C'est question de point de vue. Tu entends, non? Moi, je te dis que ici, dans les réseaux sociaux-ci, ce qu'on fait, on nous rattrape toujours. Même si toi et moi, Marc, tu veux magie. Même si toi et moi n'est pas amis, j'en ai rien à cirer. Tu passes ton temps à citer des gens de pauvres. Tu passes ton temps à faire les citations à la con des réseaux sociaux. C'est ça. Tu vois que les gens vont t'aimer par rapport à ça. Allez prier Dieu. Donc, le même Dieu que tu pries tout le temps. Donc, c'est les gens comme toi qui aiment trop Dieu tous les jours. Là. Ce sont les gens comme toi qui font en sorte que. Qui ont fait du mal. Parce que si tu n'as pas fait du mal, hein, je ne vois pas pourquoi tu vas aller prier Dieu tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours, tu vas prier Dieu, tu vas à l'église. Tu dis que tu es une femme d'église. Mais tu es incapable de défendre les tiens. Tu es pas capable de défendre une fille, une femme de une bêtise comme toi. Tu as peur. Tu dis que tu es chrétienne. Mais c'est toi qui mets les conneries dans les réseaux sociaux. Tous les jours que tu as créé, tu mets peut-être 20 stations par jour. Ta vie, c'est les réseaux sociaux. Tu fais 10 vidéos par jour. Bon, ton nom, maintenant, c'est Marc Cube Magie. Tu entends, non? Donc, Liliane Mangue, ton nom, ton nouveau nom, c'est Marc Cube Magie. Et maintenant, va t'aller avec les Nkassa. Je vais vous casser, vous tous. Toi, c'est toi. Ton nouveau nom, c'est Marc Cube Magie. Fin de citation. Quand on dit que l'enfant de Dieu, on ne se moque pas des autres. Des miséreux. Toi, tu es déjà devenu riche dans les réseaux sociaux. Les vrais gens, les vraies filles qui ont l'argent sont dans les Twitter. Elles ont les pages. Elles sont à Twitter. Elles sont à Instagram. Elles sont ici à Facebook. Elles sont sérieuses. Elles ne se parviennent pas matin, midi et soir. Wow. Tu mets des trucs matin, midi et soir dans les réseaux sociaux. Hein? Et tu dis que quoi?
Maman, à l'âge que moi j'ai, à l'âge, hein, tu es peut-être ma grande soeur, je ne sais même pas combien, tu as peut-être de 50 ans, je ne sais même pas. Moi j'ai 43 ans, j'aurai 44 ans cette année. J'entends Liliane Mungo, alias, ma cube magie. Elle dit que tu t'agis trop. Maman, tu sais à quel âge j'ai construit ma première maison? Tu sais à quel âge, tu sais les choses que j'ai fait au Cameroun? Tu sais que je suis au Cameroun? C'est parce que des gens comme moi ne veulent pas se moquer des réseaux sociaux que vous utilisez. Tu mets les posts. Ces derniers temps-ci, mes amis, quand je suis à Facebook, moi même vu l'insulter, je ne l'insulte même pas. Hein? Et que je ne l'insulte même pas, elle dit comme quoi, elle laisse mes amis pour dire comme quoi. Elle voit que quand elle fait mes directs, soit quand elle fait mes directs, je l'insulte. Je dis que vous m'avez entendu insulter encore Liliane Mungo. Marc, tu t'appelles ton nouveau nom. C'est Marc qui veut magie. Les gens qui sont derrière toi là, je ne laisse pas. Les gens qui sont derrière toi là, quand ils vont te linger ici à Facebook, ah ouais, sache que qu'on soit amis ou pas, je serai au courant de tout. Et tu vas chier dans mes mains. C'est moi qui te dis. C'est toi qui dis que tu apprends de Dieu. Tu mets les postes pour te moquer des gens. Tu te moques des pauvres. Si la pauvreté allait être comme ça. Maman, si la pauvreté était une maladie, est-ce que toi-même tu es malade? Tu es malade mental, toi. Tu entends, non? Si la pauvreté était malade, une maladie, tu allais être malade. Bon, je donne l'occasion là, de faire ton direct. Et appeler tes abeilles, tes cassa, comme ce sont des gens, pour m'insulter. J'en ai rien à tirer. Je vous casse vous tous le cou, je vous tue et je vous fais rip. Ce que je suis, c'est ça. Tu n'es pas une personne fiable. Tu n'es pas fiable. Tu entends, non? Tu es le cube. Je dis que tu es le cube magie. Cube magie, c'est toi. Liliane Mungo, alias ma cube magie. Tu entends, non? Tu n'es pas fiable. C'est moi qui te dis. Tu n'es pas fiable. Tu es une personne qui cherche la stamania. Les vrais gens qui cherchent les investisseurs partent dans les salons pour rencontrer les clients. On ne rencontre pas les clients sur Facebook. Quand les clients, regarde-moi un petit pauvre forum comme Facebook là-bas, avec les Camerounais là. C'est là que tu viens chercher tes clients. Hein? Cotiser. Ah, bon, 55. Moi, j'ai fait, moi, je suis venu avec un bon cœur. J'ai fait tes produits et tu me payais souvent pour tes produits. Certains non. J'étais indexé, tu as pris ta position, j'ai pris ma position. Mais la fois que tu m'envoies des messages pour me dire comme quoi, chaque fois que je fais mes directs, je t'indexe dans mes directs. Putain de bordel. Tu vois, si je vais t'indexer dans mes directs, j'ai peur de toi. Ma corwangzi. Hein? Ma wo ngongo. Ami mon bébé, bo Facebook. Quand on va te faire à Facebook, tu vas dire non. Tu entends non? C'est moi qui te dis. Tu vas te râler avec les diables. Tu vas que les gérer là-bas. Tu entends? Tous les jours. Tu es l'enfant de Dieu. Oh, Dieu a fait ceci. C'est sur Facebook que tu viens chez les investisseurs pour tes 5 à 5 millions pour les appartements. Qui est riche à Facebook? Les crevards de Facebook. Tu te fous de la gueule de qui, toi? Hein? Là, maintenant, comme tu voulais que je te lave, je vais te laver. Hein? Il n'y a que les crevards qui sont à Facebook. Hein? Facebook, c'est quoi? Hein? Donc, tu viens chez les investisseurs à Facebook. Et là, Facebook, si. Quand ça va, tiens. T'inquiète pas. Même si on n'est pas amis, on n'a rien à cirer. Hein? Elle est très sunoise. Très sunoise, tous les jours que Dieu a créé. Elle fait les postes. Elle fait les postes. Elle titille, elle titille, elle insulte les pauvres. Maman, tu es déjà arrivée? Tu es arrivée, toi? Hein? Tu es déjà arrivée? Je te plains. Je plains ton sort. Sachez que la plupart des femmes qui épousent les blancs, c'est que ma boya m'a crevé. Tu entends, non? Nous qui avons eu la chance, on peut même dire la chance que Dieu, le Rogodou, c'est pour ça qu'on est avec eux. Donc toi, tu es une arrivée, ce que tu es arrivé, boum, tu es tombé sur un blanc. Tu entends, non? Tu es tombé sur un blanc qui a peut-être les moyens et tout ça, tout ça, tout ça. Moi, je connais ta vie, je la raconte par les réseaux sociaux. Tu connais quoi de moi? Ta bouche sort comme la diarrhée. Qu'est-ce que tu connais de moi? J'ai déjà parlé de ma vie avec toi un jour. En dehors de ce que tu sais de moi dans les réseaux sociaux. Quand je suis avec toi, c'est toi qui, sois ta, qui me donne, qui me montre ta misère, hein? Donc fais attention, ma cube magie. C'est que fais attention. Hmm? Tu entends, non? Elle me prend pour qui? J'ai besoin de vous. Vous venez tuer chez la veuve après maintenant. Tu peux mettre un pot sauf sur moi. C'est ce qu'on appelle la pauvreté. Et que toutes les femmes qui vivent avec les blancs, les noirs, en dehors des stars là, qui ont eu la chance qu'elle ait travaillé. Donc une femme que son mari donne l'argent, qui a l'argent. Tu entends, elle n'a pas le droit de venir vendre les petits sacs à bombes de 20 euros dans les réseaux sociaux, de venir vendre les huiles. Elle s'assoit chez elle. Elle écrit par les réseaux sociaux. On voit seulement les actes. On les voit avec les choses. Toi, tu chies, tu montes, tu manges, tu montes. On ne voit pas d'abord là où tu manges même. On connaît ta maison. Qui est venu chez toi? Personne. Tu vas dire que non, parce que tu ne veux pas que j'en vienne voir chez toi. Parce que c'est comment? C'est comment? Hey!
Hein? Je veux que vous suivez tous les jours que je vais créer parce que moi je m'en fous. Quand ça arrive ici, je parle ma chose. Je n'ai peur de personne. D'accord? Ça se passe comme ça. Tu peux insulter qui pauvre? Tu peux insulter la veuve, je vais dire que pauvre. Tu peux insulter qui pauvre dans les réseaux sociaux? C'est-à-dire que ce n'est que les crevards. Ce sont les gens qui veulent les matchs vus, qui viennent dans les réseaux sociaux. Tu vois qu'il y a les forums là où quand tu veux vendre tes maisons là, moi je te donne leur secret. Tu parles, les voix, tu fais dans les forums, tu fais une page, tu partages avec les grandes stars. En dehors de ça, heureusement qu'Antoine Bachelot est là pour nous sauver un peu dans les vues. En dehors de ça, il y a encore quoi? Hein, tu es mesquin, tu es sournoise, mais ça ne te passera pas avec moi. C'est la dernière fois. J'ai porté ça pour te dire que c'est toi, mec, qui m'as donné ça, pour que je porte à Bomos. Et j'ai dit, tu ne peux pas te saboter. Tes produits sont bien. Maintenant, continue à vendre tes produits doucement dans les réseaux sociaux. Tu en fais trop et tu insultes trop les gens. Tu entends? Donc, c'est quoi avec toi? Passe là-bas. Ça va, chérie? J'ai dit, comment j'ai dit là, tu entends, non? Ce que je suis, c'est ça. Qu'est-ce que les gens voulaient, ce que les gens voulaient aller penser? Rien à cirer. Hein? Je te dis que ton nouveau nom, c'est Marc Cube Magie. Marc Cube Magie, parce que c'est éphémère. Le sel est toujours assis. J'ai deux immeubles, mets ça dans ta tête. Arrête d'indexer les gens dans les réseaux sociaux. Tu campes par rapport. Tu es qui? On est ça? Franchement, là, parce que là, tu dis que je t'insulte vraiment, que je m'assois comme ça, je te dénigre. Tu es qui quand ils te voient? Tu es une femme qui veut à tout prix reconnaissance dans les réseaux sociaux, une femme qui supplie les gens à l'aimer. Tu as besoin d'amour dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai besoin d'amour dans les réseaux sociaux, moi. Tu sais depuis quand je suis dans les réseaux sociaux? Hein? Quelqu'un reste calme dans son coin, tu m'envoies des messages pour me dire quoi? Hein? Dis donc. Hein? Je m'en fous. Je m'en fous. Tu n'as pas me laissé un sale message. Par rapport à quoi? Je vous appelle même souvent. Je vous appelle. Depuis, tu as commencé à me suivre depuis quand? Depuis 2016-2017. Tu voulais que je fasse la publicité. Avant, tu ne vendais même pas encore. Bon, avant, tu vendais, tu étais dans l'habillement des salles, les salles là que je te fasse la publicité. Je ne l'ai pas fait. Tu vas voir compresseur et tout ça. Hein? Tu as quoi? J'ai peur de vous. Vous savez que j'ai un mauvais caractère. Ne me prononcez plus. Ne venez plus vers moi. Après, je n'attends rien de vous. Je t'ai fait la publicité. Tu m'as payé pour ça. Point. Point barre. Et basta. C'est quoi? Tu m'envoies des sales messages. Tu peux m'envoyer des sales messages. Tu me connais. Voyez-moi. Hein? Il n'y a que les crevades qui vivent avec les blancs. J'ai dit ça. Et toi, tu fais partie d'une crevade. Tu montes toi. C'est dans les réseaux sociaux que tu viens de prendre, maman. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils étudient la connexion. La connexion de chez eux. Ils passent ton temps à les dire. Je dis, ah, ma mère, tu as raison. Qui d'entre eux vont cotiser? Vont faire quoi ce soir? Je pars au Cameroun. Tu es au Cameroun, tu montes. Je pars là-bas, tu montes. Montez chez vous, quand même, là, vous êtes au Cameroun, là, vous vivez dans les maisons familiales. On ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Mieux vaut, je vais acquérir un mauvais comportement pour dire que la personne qui va avec la veuve va mourir. Mieux vaut. Je préfère rester que les gens aient peur de moi, de marcher avec moi. Parce que je n'attends rien de vous. Je n'attends rien de personne. Je suis comme je suis. Je suis atypique et insolente. Je préfère. Vous comprenez? Tu passes ton temps, tu m'envoies des sales messages. Tu passes ton temps à crier des mots dans les Facebook. Tu es des gens pauvres. Tu es déjà arrivé, toi. Tu sais ce qu'on appelle que riche? Tu es déjà arrivé. Tu fais la concurrence avec qui dans les réseaux sociaux? Tu fais la concurrence avec qui? Tu manges chez qui? Hein? Qui mange chez qui ici en France? Moi, mais tu as déjà mangé chez moi plusieurs fois. Je t'ai reçu chez moi plusieurs fois. Tu as chié chez moi plusieurs fois. D'accord? Dis donc. Mais pauvre. Maman, il n'y a pas que le pauvre qui trouve l'autre que pauvre. Il n'y a que le noir qui trouve sa sœur négresse. Hein? J'ai remarqué dans les réseaux sociaux. Continue à faire tes posts. Moi, je te bloque. Parce que tu veux, tu me bloques. Rien à cirer. J'ai tellement la vie. J'ai tellement d'amis que j'ai besoin de place. Donc, si tu te libères dans tous mes comptes, là, ça serait bien. Je vais prendre les gens tous. Je vais tuer mes 5000 amis et mes 14 000 personnes qui vont me suivre. Tu comprends ça? Tu comprends? Hein? Toujours Dieu a fait que Dieu a dit que faites ça, chérie. Faites ça. Pour faire quoi? Hey, c'est un ami, ça, qu'est-ce qui est arrivé? Bonjour, ça fait longtemps, soir. Ouais, ça va? Bah oui. Elle dit qu'elle n'est pas dans quelle finance? J'ai dit qu'elle n'est pas une fille bêtie. C'est une fille bêtie qui a peur. Qui est-ce que c'est ça? Attends, non, c'est tout. Eh ouais. Ouais. J'ai mieux vaut, je sois
je sois une femme qu'on m'a dit que la veuve joyeuse est atypique. Mieux vaut que je sois atypique que d'être avec les gens qui sont, qui ont besoin d'amour dans les réseaux sociaux, qui ont besoin que les casse les aime, qui n'aiment pas leur soeur. Moi, j'aime les gens avec un cœur. Qui te connaissait avant que je commence à faire ta pub? Qui te connaissait parlant un peu de ça? Un autre Antoine Bachot qui te mettait un peu parfois dans tes trucs là. Qui te connaît? Tu pouvais faire une direct avec combien de gens? 100 personnes qui regardaient, 100 vues. Hein, même pas 100 vues. Ça veut dire que 100 vues quand tu fais la vidéo. Hein. C'est moi la veuve joyeuse qui t'a mis en haut. Si on te connaît aujourd'hui par tous, la veuve joyeuse. Tu dois me dire merci, d'accord? Hein? Tu dois me dire merci. Ce qui est sûr, c'est ça. Ton merci, c'est pour faire les connaître les réseaux sociaux. Je te demande que sur ton notre soeur, tu parles de la soeur, notre soeur. Et tu dis quoi? Meuf, baignou, va faire tes conneries là-bas. Avec tes incassa. Quand on va te prendre? Ah, la reine Gaga, c'est parti, non? Attends, quand on va te prendre là-bas? Hein? Je serai assise ici. Il va te faire ta fête. Tu entends, non? On va te dénigrer tellement que même tes produits, même tes maisons là, on va se trouver un tout là. On va dire qu'il y a un mouvement dedans. Ils vont dire qu'il y a un mouvement chez toi. Ils vont même dire que ton. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Voilà, Raja Mélania, non? Sont les sanguinaires là-bas. Va te coltiner avec eux. Bonjour. Oui. Oui, ça va bien, merci. Tu vas-y. Je préfère qu'on dise que la voix joyeuse est comme je suis. Je suis, j'ai un mauvais caractère. Mais moi, au moins, j'ai les fesses. Je sais ouvrir ma gueule quand il faut. Je sais parler comme il faut parce que je n'ai peur de personne. Tu es ingrate. Tu entends, non? Tu es ingrate. Oui. Tu n'aimes pas tes gens. Tu n'aimes pas tes semblables. Tu entends? Tu aimes les autres. Tous les jours que Dieu a créé, Dieu a dit que faisons la paix, Dieu a dit que Dieu est amour. Après, tu viens encore mettre pour insulter les pauvres. Maman, tu es une pauvre. À quel âge tu commences à construire ta première maison? À quel âge ta première maison? Vous me faites souvent rire dans les réseaux sociaux. Quelqu'un d'abord, la maison même familiale, elle n'a même pas. Que ce soit au village, que ce soit à Ebola, que ce soit à Yaoundé, tu n'as même pas une maison familiale. Tu te permets souvent de construire les maisons pour que les gens vont acheter. La nacre de ça. Une anarque monumentale. J'ai dit, c'est une anarque, n'achetez rien là-bas. Elle ment. Elle est en train de construire sa première maison familiale. Elle dit maintenant que ce sont les maisons de 55 millions. Toi-même, tu es un peu d'abord là où tu dis. Quand tu dis, quand moi je m'en vais à Saint-Louis, moi je vis chez moi là où j'ai construit. Eh oui. Toi, tu vas à Yaoundé, tu viens dans les hôtels. Kribi Hôtel, Yaoundé Hôtel, Ebolova Hôtel. Hein? Et là, tu es un peu d'abord là où tu poses toi-même ta tête dans ton village. Hein? C'est là que tu commences à vendre les maisons à Facebook. Les Camerounais, hein? On va tout voir. Nampian, j'attends. Je suis à l'attaque aujourd'hui. J'attends. Fais une vidéo sur moi, insulte-moi. Je vais te laver propre. Ma cube magie. Le cube magie, c'est quelque chose que quand le sel, d'abord, le ciment, c'est comme le sel. On ne peut pas préparer rien qu'avec le cube magie. Tu entends, non? Moi, je suis le sel. Toi, tu es le cube magie. Parce qu'il faut d'abord mettre le sel en bas. Après maintenant, pour maintenant améliorer un peu le goût, on met le cul magique. Donc ça veut dire que c'est éphémère. Ce que tu fais là est éphémère. Pense d'abord à toi avant de penser aux autres. Je vois que c'est la vie des autres qui est toujours très importante plus que ta vie. Les autres, ouais. Toi-même, tu as quoi? Obligé? Tu as quoi? Oui, c'est faux à bonne baise. Je finis avec elle ce matin. Obligé? Moi, Jean. Hein? Tu as quoi? Hein? C'est toujours vous qui venez chez la veuve, à n'importe quelle heure. Une alimi. Pardon. C'est vraiment du n'importe quoi. Hein? Vous êtes des gens pauvres. Je t'appelle après, Elisa Bilo. Vous faites comme si, maman, à l'âge que je construis ma première maison, tu avais quel âge? C'est maintenant que tu commences à arriver que oh, c'est maintenant que Wassiane. Donc c'est maintenant que tu te réveilles que hey, je dois construire. Construis d'abord là où tu vas dormir. Maman, le blanc de ça. Tu connais l'histoire du blanc de Yanga. Attends, quand ça va t'arriver, tu vas dire non. Le blanc de Yanga. Bonjour. Bonjour. Tu connais l'histoire des blancs de Yanga. Attends, je te souhaite pas ça. Hein. Maman, les femmes des blancs qui ne sont pas français là. Oh, 2 ans. Pardon. Comment on appelle ça? Chardonnay. Merci. Hein? C'est vous dit. Maman, la plupart des femmes des blancs sont camerounais comme moi ici là. Vous, moi je peux dire que oui.
Mon mari n'avait pas eu le temps à l'époque. Vos maris sont les maires du village, ils ont tout. Mais vous avez quoi comme papier? Deux ans, vous voulez parler à la veuve. La veuve joyeuse. Maman, n'importe quoi. Les blancs des Yenga sont nombreux ici dehors, attendez. Les gens se font même quoi? Vous savez, moi je ne bois pas. Non. C'est la dernière fois. Non, elle s'appelle ma cube magie. Je vous ai dit que le sel, la base de tout, tu dis, c'est le sel. Elle, c'est le cube magie. C'est elle me bloquer, elle est qui? Elle dit, Becky, elle peut bloquer. J'ai besoin des gens qui viennent. J'ai peut-être 2000. Il y a des gens qui me suivent là, hein, qui veulent même la place. Oui, quand c'est toi, c'est là. Je mieux vont dire que la veuve joyeuse est méchante. J'accepte. Je suis jalouse, j'accepte. Excusez-moi. J'ai demandé un chardonnay, non? Un chardonnay, oui, je vous ai. Merci. Hey. Achetez Abomos. Ce sont des petites bluffeuses des réseaux sociaux, les bluffeuses. Maman, il faut faire confiance à une personne qui a jamais conçu une fois dans sa vie. Les gens ont vu. Même Ebem, on appelle ça qu'Ebem. Même la maison en terre battue, même en paille de raffia, tu n'as pas. Tu viens parler. Au lieu de dire aux gens que voilà ma première maison que je construis pour mes étudiants, tu viens dire qu'il faut payer les maisons à 55 millions. Maman, tu vois tellement. Ce n'est plus les maisons. Ce n'est plus les yeux, ce n'est plus les sacs. Maintenant, c'est le fret. Et puis quoi? On va te faire un jour. Merci. Attends, ta part va arriver. Ta part va arriver. J'ai besoin de place, hein, donc bloque-toi. Ma cube magie. Ma cube magie, tu t'appelles ma cube magie. Excusez-moi. 2 millions 5 à 2. Oui, on va aux toilettes, nous tous. Les gens pensent que c'est quoi, je suis. C'est le nouveau concept. Toilette, c'est fait pipi. Je vous laisse pas. Je vais finir avec elle. Que quoi? Et puis, moi je regarde Facebook. Je vous ai toujours dit que moi je regarde Facebook autrement. Depuis, elle fait les trucs. Elle met les posts toujours bizarres, les posts de concurrence. Tu fais la concurrence avec qui? Maman, oh! Maman, tu sais, ma revenue. Prof. Tu fais la concurrence avec les réseaux sociaux. Avec qui? Qui fait la concurrence avec qui? Hein? Eh? Ah! Maman, les pauvres cherchent les blancs à quoi? Les pauvres cherchent les blancs à quoi? Toi, tu étais où? Tu les saracolés? Tu les saracolés? Non, on vous amène enfant, vous voyez la lumière. Moi, j'ai vu ma lumière depuis des années. Hein. Depuis des années. Ah oui, ma lumière, c'est depuis des années avec les blancs au niveau du Cameroun. Pas ici. Je suis désolée pour vous. Vous venez enfant, vous trouvez un petit vieux blanc qui vit dans une campagne. Vous êtes devenue madame. Vous commencez à faire des positions dans les camions. Vous apprenez à conduire. Vous venez babader dans les réseaux sociaux. L'année dernière, tu n'étais pas riche, c'est cette année que tu es riche. Arrête ça, hein. Je dis qu'on parle aux toilettes, nous tous on parle partout. C'est comme ça. C'est le direct. C'est le nouveau concept, toilette. Ouais. J'ai vu mon ancien show là. C'est Dagobert, c'est moi. Et puis moi, je m'en vais, tu m'as dit que ouais. Le problème commence comment? Je m'en vais lui voir pour lui dire que ouais, ma soeur. Comment tu peux accepter que les gens m'insultent dans tes vidéos et dans tes trucs? Oh, il me dit que non, elle n'a pas vu. Elle me dit carrément que ces derniers temps-ci, j'ai fait mes directs et que je l'insulte. Vous qui suivez mes directs tous les jours, je l'ai insulté. Hein? Hein? Est-ce que je l'ai insulté? Je l'ai insulté la semaine dernière, comme il y avait eu le problème de Doudou Ngabanon. Et ce dernier temps, je lui ai fait la publicité. Vrai ou faux? Elle dit que je l'ai insulté.
Hier, j'ai fait le direct, il n'y a pas, je lui ai fait la pub. Avant que tu aies, je lui ai fait la pub, non. Elle n'a rien contre moi, elle n'a rien dit. Elle a fait la publicité, elle veut se débarrasser de moi, de tout. Le problème, c'est ça. Hein, c'est tout. Alors, comment est-ce que je l'ai insulté? Je ne l'ai pas insulté. J'ai insulté quand? Hein? Moi, si j'ai un cœur, hein? Si vous voulez tuer chez la veuve pour venir après qu'on finit à Facebook, venez toujours, on va finir à Facebook. Ce que je suis, c'est ça. Je m'en fous. Hein? N'est-ce pas, les abeilles d'Incassa m'ont insulté hier soir dans leur truc. Vous m'avez vu là-bas, hein? J'ai le temps. J'ai le temps d'Incassa. Elle dit que je ne suis pas star, mais je suis une star, la preuve, elle parle de moi. Est-ce qu'on parle des gens qui sont morts? On parle toujours des vivants, non? Tiens. Et tu me donnes un paquet de Marlboro rouge, hein? Avec un paquet de Marlboro rouge, s'il te plaît. C'est à côté. C'est à côté. Oui. D'accord. À moi. Les gens font comme si. Hein? Comme Fak Isidore, retourne chez ta mère, d'accord? Au revoir, je te tue, je te casse la tête. Voilà, voilà les mêmes gens. Va attendre son direct là-bas, quand elle va faire le direct, elle prononce mon nom. Elle va me sentir passer. Ah, mais il y a une affiche, mais elle est à l'envers là. Sur... Dagobert, c'est même pas bon. Ils ont mis une affiche, mais ils l'ont mis à l'envers. Maman, les gens font comme si. Comme si eux qui me disent oui, c'est en France. Maman. Vraiment, parfois j'ai pitié de moi, hein, sans vous mentir. Hein? Tu as dit aux gens que tu. Comme c'est tout le monde sait que tout le monde me nourrit en France. Aïe! Massa. Ça gagne aussi. Hier, j'ai vendu deux cartes. Bonjour. Donne-moi des Marlboro rouges, s'il te plaît. Marlboro rouge. Oui. De l'eau. Hein? Normal. Normal. Merci. Ne me fréquentez plus. Je ne veux plus de vous. Oubliez-moi. Je suis une personne atypique, j'ai un mauvais comportement. Les gens me détestent comme je suis. Je ne me fréquentez plus jamais. Je ne veux plus fréquenter les gens. Les gens qui viennent chez moi, ils viennent chier chez moi. Ils mangent ma pauvre nourriture. Je connais chez vous. J'ai été chez vous un jour. Hein? Vous venez tuer chez moi, prendre quelque chose, dès que vous êtes quelque chose, vous devenez star dans les réseaux sociaux. Hein? Pour mettre les gros mots dans les réseaux sociaux, pour mettre les mots. Vous savez que vous avez peur, que je suis l'os, je suis le fer. Le fer ne se brûle pas. L'éternité en éternité, vous comprenez, non? Vous avez affaire à une femme. J'ai bien dit. Hein? Les cas, ça va te faire un jour. Ah, t'es. Maman, comme si j'ai besoin d'un nom. J'ai besoin. N'importe quoi. Ah. Les gens font comme si quand je suis amie avec eux, c'est elle qui me donne à manger. Hein. Vous me donnez à manger, moi. Vous me payez je ne sais pas quoi. Vous me payez quelque chose, moi. Une menteuse comme toi. Une vraie mytho. Comment on dit que mytho? Tu n'es qu'une sale mytho. C'est moi qui te l'ai dit. Hein? Tu es de la grosse société des grandes femmes d'affaires. Tu ne seras jamais grande d'affaires. Tu vas rester qu'à Facebook. C'est là où il y a ta vie. Les réseaux sociaux. Facebook. Hein? C'est quoi? Tu mets tout le temps des posts pour les. Tu fais les gens de cons. Tu gardes les gens de cons dans tes posts. Est-ce que les gens aiment ça? Hein? Et c'est toi que tu aimes les gens, tu es l'enfant de Dieu. Tu fais les pauvres, c'est les pauvres. Maman, tu es riche. Massa, tu es devenu riche depuis quand? Ma cube magie. Je te demande, tu es devenu riche depuis quand? Maman, Facebook, tu nous fais quelque chose, hein? Dès que maman qui te connaissait, toi si. Oui, on te connaissait dans ton petit monde, oui, mais c'est moi. Tu as eu de la visibilité parce que tu étais avec moi. Parce que c'est la veuve joyeuse qu'on connaît. Toi, on ne te connaît pas. Tu entends? Mais tu sais, dans ce genre de situation, hein, je ne te laisse.
C'est la dernière vidéo que je fais sur toi. Je te dis, la dernière vidéo que je fais sur toi. Tu attends, non? Ça ne sert à rien d'être ami avec moi. Je vais te bloquer dans tous mes comptes. Comme ça, tu vas aller chier et pleurer ailleurs. Je verrai qui va te faire la publicité des réseaux sociaux et que ça va marcher. Il y a beaucoup de filles qui font la publicité, non? De Ashley Lambert. Il y a plein de personnes, non? Qui t'a fait la publicité plus que moi? Hein? Plus que moi. Jusqu'à présent, les filles continuent toujours à vendre, à venir payer tes produits parce que c'est la veuve joyeuse, non? Hein? Tu oses dire que dans mes directs, ces derniers temps-ci, je t'insulte? Ok. Mais ça, hier, j'ai fait le direct, j'ai insulté. Avant, je l'ai insulté. Même toute cette semaine, je l'ai insulté. J'ai même indexé. Elle dit qu'elle trouve que quand elle fait mes directs, je l'indexe dans tous mes directs. Ah! Tu es malade ou quoi? Hein? Tu avais toi dit l'affaire ici. Quelle affaire? Quelle affaire que tu avais dit que toi dis l'affaire ici? Ne me fréquentez plus, je ne vous vois plus. C'est bon là. Laissez-moi comme ça. Maman, vous faites les problèmes entre vous. Je suis venu te voir pour te dire que ma soeur. Hein? On a défendu Cancam. Toi et moi, j'ai d'abord. C'est la première personne qui a défendu Flo ici. C'était moi. Après maintenant. J'ai même fait la vidéo, mais quelqu'un m'a mal dans la vidéo là. Oui. Après, maintenant, quelques temps aussi. Tu as fait. Les plaisirs à moto, hein, continuer et tout. Ah! Si je te dis aussi que, ma soeur, pourquoi maintenant là, c'est toi qui as mis avec l'Inkassa? Oui? Je l'ai appelé, je lui ai dit que ma soeur, c'est toi qui as mis avec l'Inkassa là. Ce sont tes gens. Tu connais même. Elle connaît tout l'Inkassa. Elle connaît le. Elle connaît tout le monde. Je n'ai pas envie de parler seulement pour l'instant. Elle connaît même le visage de tous les Nkassala, comme tu connais, même leur adresse, elle connaît. Les Nkassala qui m'insultent, elle l'a mis avec eux. Elle dit que ouais, toi aussi, un petit direct pour dire que mes Nkassala, c'est même pour dire aux gens de laisser d'insulter Doudou et Ngama. Elle me dit non, que pour l'instant, elle préfère qu'on arrête là. Non, c'est moi qui a dit que comme c'est comme ça, on arrête. Elle m'a dit oui, elle préfère. Tu entends, non? Donc elle veut y aller à Stamania. Comment tu peux préférer, maman? Tu fais pour l'autre, tu fais pour l'autre par rapport à quoi? Hein? Tu te plains après? Tu es qui? Tu es qui? Hein? Hey! Ah, bien, mais tu viens de nous montrer que tu n'es vraiment. Quand c'est pour les autres, tu fais. Pourquoi tu ne peux pas faire pour ta propre soeur, Betty? Parce que j'ai dit. Vous savez que je suis tribaliste, je dis oui, je suis tribaliste. Oui. Et j'ai dit qu'elle parle, pèse mes mots, que la personne qui ne veut pas écouter ce que j'ai dit, qui n'est pas d'accord avec moi pour mes propos, quitte mon Facebook. Et je veux comprendre que tu es parti pour de bonnes raisons. Sachez que la veuve joyeuse va toujours continuer sa petite pauvre joie, sa petite pauvre façon de faire, sa petite pauvre manière de vivre. Vous comprenez? Je ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Si vous pouvez savoir ma vie, moi j'aime les gens. Mais je te dis ça, tu me rappelles ça, que non, pourquoi je veux le faire? Pourquoi tu ne veux pas le faire? Pourquoi tu ne veux pas faire pour l'autre? Hein? Pourquoi tu ne veux pas faire pour ta propre soeur? C'est ce que j'ai dit. Hein? Et tu te dis patriote, tu te dis que tu es une femme intègre, et tu veux que les gens t'aiment? Hein? Moi, c'est à toi aussi. Je défends tout le monde, je m'en fous. Même si tous les jours, je titi Ngossa, ou je titi Lolo, ou je titi Kankam, ce sont les sans bracata. Mais toi, je te parle, c'est la dernière fois que moi, la veuve joyeuse, je prononce mon nom dans ta bouche. Parce que tu ne vaux rien, tu n'es pas une femme. Tu entends, non? Ne viens pas avec le cœur ici, Liliane Mangue, je ne le veux pas. Ton nouveau nom, c'est Marc Hugo Magie. Je ne te veux pas ici. J'ai fini mon direct, je te bloque. Je ne te veux pas ici. Comment tu peux faire les choses comme ça? Je suis ta soeur. Hein? Tu as vu les postes que tu mets? Hein, les pauvres étaient cons. Les pauvres, quel pauvre, quel con. Toi, tu traites les pauvres, les cons. Toi-même, tu étais quoi avant? Vous oubliez toujours là où vous sortez. Comment vous avez fait pour tomber là où vous êtes là aujourd'hui? Hein? La souffrance de ça. Maintenant que vous avez un peu, vous insultez les gens, les pauvres dans les réseaux sociaux. Toi qui dis que tu es évangéliste ou pentecôtiste ou quoi que tu es, c'est toi qui dis tous les jours, oh, Dieu a dit que Dieu a fait que. Mais toi, tu es incapable. Hein? De soutenir tes soeurs, tu es incapable de tenir même bien tes propos au niveau de la toile. Tu fais la concurrence avec qui? Qui fait la concurrence avec toi, Liliane Mangue? Personne. Hein? J'ai fait regarde les porte-à-bombe là. J'ai fait ta publicité ici.
ta publicité, Liliane. Eh oui. Tu m'as payé, est-ce que tu m'as payé? J'ai cru que j'ai raconté une soeur. Et après de ça, attendez que les fous finissent alors les choses. J'ai fait ta publicité. On était d'accord pour plusieurs choses. On n'était pas d'accord pour certaines choses. Hein? C'est toi qui as commencé à vouloir partir. Moi, j'ai compris. C'est tranquille. Hein? J'ai dit à mon direct que tu. Comment tu peux te permettre de dire dans mes directs, Liliane Mengo, que moi, j'étais insulté dans mes directs? Pourtant, c'est faux. Je t'ai jamais insulté. Depuis que j'ai fait ça la dernière fois, avec la semaine dernière, le week-end, la semaine dernière. Chérie, donne-moi un petit chardonnay. Oui, chérie. Ouais. Depuis que j'ai fait ça depuis la semaine dernière, j'ai encore fait une autre vidéo pour t'avertir. Et puis, j'ai retiré toutes les vidéos là. Je suis resté tranquille. J'ai commencé à faire mes parler mes choses. Tous les jours que j'ai fait mes directs, les gens peuvent témoigner. Que ce soit dans mon compte ici, que ce soit dans l'autre compte, je te fais la publicité ici. Les gens peuvent témoigner. Toi, tu me laisses le message que maintenant là, que je fais quoi hein? que quand je fais mes directs, que je t'insulte dans mes directs. Qui peut dire que je t'insulte? Est-ce que j'ai déjà permis même qu'on t'insulte un jour dans de mes directs? Hein? Ton nouveau nom, Liliane Mengo, c'est ma cube magie. Tu t'agites toi comme le cube magie. Voilà ton nouveau nom. Parce que comme tu es star, parce que comme tu es devenu star en blacata de Facebook, moi, je suis ma dégrépute, ma foufou, ma dégré banga. Moi, je suis le ma saleté, ça c'est mon nom. Flor, ma arata, oui, je suis aussi ma arata, parce que je vais empoisonner Flor avec arata. Il faut pas oublier le nom, hein, parce que moi je donne le nom. Doudou Ngaba, c'est ma misunga. C'est moi qui ai donné le nom que Mami Sunga. Oui. Lolo, j'ai pas donné le nom à Lolo. Non. J'ai donné le nom à Fleur. Fleur, c'était Mandendom. Le nom de Fleur, c'était Mandendom. Elle m'a suivi à l'époque. Oui. Il y a eu beaucoup. Je donne les noms aux gens, mais comme je j'oublie les noms. Mais maintenant, ton nouveau nom, c'est ma cube magie. C'est toi à voir. Soit tu restes ami avec moi et soeur avec moi. Parce que j'ai crevé la sèche, je t'ai dit ce que je pensais. Parce que quand j'ai lu ce que tu m'as dit, tu n'as pas aimé. C'est toi qui es venu vers moi, pas aujourd'hui. Il faut dire à tes cassalas qui te suivent que ce n'est pas aujourd'hui que tu m'as donné, que je suis avec toi. C'est depuis. On s'est perdu de vue parce qu'avec mon nombre Facebook, on coupait là, on prenait mes nombres Facebook. À l'époque, tu voulais que je fasse des trucs pour les chaises, pour la décoration des salles. Après, tu as disparu. Moi aussi, comme moi, je ne coupe pas derrière les gens. Après, tu m'as contenté pour les produits. Je suis même en plus de ça. Tu dois me payer, même cher. Tu dois me payer pour te porter plainte. Eh oui. Tu m'as fait mettre les conneries sur moi. Que ça n'avait même pas marché. Voilà alors la bombe qui marche. Voilà la bombe qui marche. Si la bombe aussi marche bien, de nouveau la bombe aussi marche. L'autre ne marchait pas. Si je mourais là-bas, tu allais dire quoi? Tu allais me payer ma famille. Tu allais payer combien ma mère? Tu allais payer combien mes pauvres enfants? Mais je le faisais pour toi. Rien que l'odeur de ça, j'allais mourir. Puisqu'aujourd'hui, mes amis sont tachetés à cause de ça. J'ai été pour toi comme une sœur. C'est toujours vous qui venez, tu la veuve joyeuse. Et c'est toujours vous qui vous montrez que je suis rien, que je suis personne pour vous. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous les milliardaires de Facebook, si. Je ne vous demande rien. Moi, à partir de maintenant, je veux savoir. Je suis une personne atypique, une personne insolente. Ne me fréquentez plus. Chaque personne reste dans son coin. Je reste dans ma pauvreté. Et je suis conne. Toi, ton nouveau nom, comme j'ai dit, à partir de maintenant, c'est ma cube magie. Oui, c'est ton nouveau nom. Je crois que tu étais le seul, mais tu n'es pas le seul. Et tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes que l'apparence, tu montres l'apparence. L'apparence, tu es sunoise et tu aimes l'apparence, ma soeur. Tu n'aimes plus ma soeur. Tu aimes l'apparence. Sache que quand à l'âge que toi tu commences à poser ta première pierre de maison aujourd'hui, tout ce que tu fais là, moi je l'ai déjà fait depuis des années, des millions d'années. On n'a pas tous les mêmes projets. On impose aux gens. C'est quoi? Il y a quoi? Quoi? Ah! C'est quoi? Ah, je suis dehors, hein. Je suis dehors. Mais je fais quoi? Je dérange qui? Je parle ma chose, je dois venir me couper la porte. Pourquoi vous et moi finir ici, hein? Oui. Pardon, mais lâche-moi toi.
Bah il est pas content, t'as vu? Bah oui. Ah bah oui. Bah tu as vu comment il nous a fait la pipe. En plus c'était pas bon hein. C'est un enculé ce bus hein. Ils ont signé, c'est bien parce qu'ils ont voulu hein. En plus, c'est marqué à l'intérieur. Ah oui. On appelle ça MDR. On appelle ça MDR. On s'informe dans le bus qui passe parce que ça n'est plus vite. Ah, il y a des chickens. Oh, vraiment, le monde est ciel. Le monde est ciel. Bah, vivant seulement. Non. Non, 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 non. Sans vous mentir, je veux prendre le. Je veux être comme ça. Je veux maintenant avoir un comportement des réseaux sociaux, le comportement, même dans ma vie même, d'une personne qui n'est pas facile à vivre, d'une personne qui vit seule. Non, je veux le faire. Parce que chaque fois que j'essaie d'être amie avec une personne, moi je pense ça comme une trahison. Hein. Pour moi, c'est une trahison. Sans vous mentir. Je suis joyeuse, je ne dis jamais non. Tu peux m'envoyer à n'importe quelle heure que la veuve. Fais ceci, je vais le faire. Sans vous mentir. Mais après il y a toutes les petites choses que moi je fais un peu, ça énerve les gens. Mais ouais. Si tu dis que soutenons une personne et que tu dis que tu ne peux pas soutenir, tu fais autrement. Tu parles autrement. La façon que tu passes comme si maman les poste tous les jours, les postes. Tu montes. Maman dit que maintenant c'est maintenant que tu construis ta première maison. Et que c'est maintenant que moi je construis la première maison. Pardon, attends. Parfois moi je pense que c'est parce que je suis trop gentil en fait quoi. Je pense. Combien de vos stars là que vous aimez qui vous sont chers anniversaire? Combien de vos stars là que vos photos? Combien de vos stars même vous disent bonjour? Je ne sais pas parce que il faut que je sois là maintenant je suis une star. Ah ouais. Maintenant je vais rester seulement là comme ça. Vous laquez mes photos, je ne vous dis même pas merci. Vous avez laqué la photo de quelqu'un un jour et vous avez déjà dit merci un jour? Jamais. Elle s'en fout carrément. Bon, ça paraît tout le reste là pareil. Elle s'en fout. Mais parfois, moi, je prends quand même le temps même pour vous dire bonjour et tout ça. C'est du n'importe quoi. Hein. Les gens sont ingrats. Hein. Non, mais tu sais quoi? Le 11 mai, je suis dépressif depuis 31 ans. Le 11 mai dernier, j'ai été expertisé à la MDPH. Oui. Là, au CNP, en bas sur Rennes. Oui. Là, en bas, oui, je connais. Mon médecin, oui. Elle me remplit mon dossier. Oui. J'ai une formation de vendeur de octobre 90 à juin 91 par la Chambre de commerce de Suisse de Paris. D'accord. J'étais déjà malin. Oui. J'arrive à la MDPH le 11 mai. Oui. C'est déjà le mouvement de la grève sociale des trains. Oui, à l'époque, oui. Elle n'était pas à l'heure. Mm-hmm. Et j'avais dit au médecin, je dis, c'est bien formation professionnelle. Oui. Demande de carte de transport. Je fais la formation. Alors déjà, elle arrive en retard. Bah, ok. Ouais. Ok. Bon. Elle me prend. Je fais la formation professionnelle, s'il te plaît. Ah non, la formation professionnelle, c'est trop intense, c'est 9h-17h du lundi au vendredi. Attends. Okay. Voilà. Je fais la carte. À la carte. Attends, je m'assois à côté de toi, comme ça j'attends bien. Regarde. J'arrive, j'aime le Congo ça. Tu vois là, j'ai une prothèse là. Ah oui. Ma curatrice, elle veut faire un débarrassage nettoyage chez moi. D'accord. Ils m'ont égaré ma deuxième prothèse. D'accord. T'as vu, il y a le centre dentaire là. Mon prénom, c'est Xavier. Il y a le nouveau centre dentaire là, du Loire Vaillant. Oui. J'ai fait un devis. La bonne femme, ça devait être un médecin. La carte du transport. Ah, la carte du transport, c'est aux gens à qui on. Ah, j'ai dit, ah bon, tu sais ce que j'aurais dû lui répondre? Non. Mais le 7 juin, je vais avoir mes prothèses dentaires. Vous allez me donner le fauteuil roulant peut-être? Bah écoutez, vous savez. C'est Xavier. Ah, Xavier, moi c'est Elisabeth. Enchantée. Oui, vous habitez où vous? J'habite les Agvilles, mais plus pour longtemps. Vous habitez où? Les Agvilles, en face du garage de Speedy. Ça fait 16 ans que je suis dans cette cage d'escalier. J'en ai ras le bol, c'est la pire de tout. C'est là où il y a le soi-disant, je sais pas si tu connais, Boumaza. Bon voisin? Boumaza. Boumaza, non. C'est, bah, il se fait passer pour un. Pour rien. Et chez tout le monde, il a les huissiers au cul, il a fait un chèque en bois au rond-point. Je m'appelle Fromi, F-R-O-M-I, il a marqué fourmi de merde alcoolique. Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Vous savez, c'est pas facile, hein? Oh, c'est pas facile, hein?
Excuse-moi, là, si tu veux, un jour on se reverra, mais là, je suis pressé. D'accord, mais allez-y. J'ai rendez-vous à 13h en Bas-Turenne pour une manucure. Oh, ah oui, je vois où c'est. Là, bah, il faut y aller maintenant parce que c'est. Ouais. La vie d'un Bénin n'est pas facile. Hein? Hein? Non, 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 je suis discute avec mes amis. Donc, mes amis. Non. Non, mais il n'y en a pas pour longtemps. Oui, mais tu prends les bus là. Attends, c'est en face là-bas. Oui, c'est en face là-bas. Je suis à Suran depuis 71, alors je suis né à Foch. Tu es né à Foch? Je suis né à Foch. Ma maman a fait 40 ans d'infirmière en PMI. Et moi j'ai travaillé en revenant de l'armée de Berlin du temps du mur. J'ai travaillé à la Foch en tant qu'agent d'entretien des émissions dans le nettoyage. Et ils m'ont fait déprimer au bout de 6 mois. Je me suis retrouvé avec un. C'est pour ça que je suis dépressif à l'ancienne mode cathéter antidépresseur. D'accord. Ouais, je vois, ouais. Mais bon, ça, là je suis encore devant toi. Bah ça va, hein, toi, attends. En tout cas, bonne chance. Hein. Ah oui. Et il y a des gens qui sont incompris, donc bonne chance. Si je suis encore là, qu'est-ce que tu veux, j'ai perdu, en 2015, j'ai perdu une très grande amie, oui. J'ai perdu mon papa. Et ta maman vit toujours? Ouais, mais ça va faire 2 ans, au mois de juillet, août, qu'elle a la maladie de Parkinson. Parkinson, oh là là, c'est pas drôle, hein. Et moi, j'ai pas trop envie d'en parler, parce que là. Non, t'inquiète pas. Depuis le début de la semaine, j'étais pas bien, j'ai un peu à manger, là, je vais aller... Je vais remonter, je vais certainement aller à Val d'Or, j'ai un crédit à régler. D'accord. Si il est important, je vais peut-être manger. Mais il faut que je parle avec le patron. D'accord, vas-y. Mais un jour, si tu veux, on se reverra, je te paierai un. Ok, tu vas me payer un verre un jour. Ok. Je suis sous curatelle aussi, je fais pas ce que je veux. Ah bah tu es curatelle, donc ça veut dire que c'est pas toi qui. J'ai de l'argent, mais. Oui, mais c'est. Je n'en dispose pas comme je veux. Comme je veux, ouais, c'est comme tu veux, ouais. Je vais, là, j'en ai. Le 25 avril au. Le 25 avril au CMP, oui. Où j'ai vu le médecin jeudi, avec l'assistance sociale, j'ai la seule assistance sociale. Hein. Il y a 6 millions de chômeurs, il n'y a plus qu'une assistance sociale, ça fait plus de 2 ans. Je lui ai dit non, mais moi à 52 ans, je voulais retravailler. Une boulangère, là, à l'atelier du pain, m'a dit Xavier, laisse tomber, tu vas pas retravailler à 52 ans, tu vas perdre ton temps. Okay, tu sais, sous Hollande, j'avais 4 poumons, sous Macron, j'en ai 8. Il y a des gens ici en Europe, hein. L'Europe c'était pas facile. Bon écoute, hein, bon, on parle qu'on fait Tina, hein, Xavier. Xavier c'est ça? Ouais Xavier. Ok Xavier. Za pour les intimes. Za pour les intimes. Za. Tu as payé quoi? Bah, chez moi c'est pas très bien. Mais j'ai du Tarama, j'ai du Corsica. Tarama c'est ce que c'est? C'est Tarama, c'est grec. C'est grec. C'est bio, mais c'est la maison de la grecque. Ah, oui. Corsica, c'est à la fromagerie, oui. un fromage de brebis corse. Ouais. Et là, j'ai une boîte, une caisse de 3 moutons cadets Bordeaux 2012. Merde! La prochaine fois que tu m'inviteras, je viendrai boire chez toi. Si tu veux. Bah oui. Oh là là, un peu tu as pris ça où? Là, des moutons, Julien de Savignac. Un mouton cadet, hein, c'est quelque chose qui est important. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux? J'ai passé toute mon enfance et toute mon adolescence. Bah, c'est pour les riches. J'ai un arrondissement avec ma grand-mère paternelle qui était couturière de métier. Oui. Qui était couturière de métier et gérante rue François-Premier dans le 8e arrondissement. Oh, donc c'est la richesse, hein? En face, il y avait la rue où il y avait Europe 1. De l'autre côté, la rue Bayard, où il y avait RTL. Et encore l'autre côté. Que mon papa m'a fait découvrir. Je parie, je suis 67. Alors papa, là mon décédé papa, oui. Là, son âme repose en paix. Mais il t'a laissé quand même l'argent. Ouais. Et à la fille de mes parents. Je suis appelé comme ça, j'ai les mérites. Il m'a fait découvrir le vrai pariégé. Celui des années 70-85. Excuse-moi, Elisabeth, je suis pressé. Vas-y, le bus va arriver. Et un bus, vas-y, de toute façon, il va pleuvoir. Hein. Faire. Non. Je suis assistante sociale. Au revoir, Xavier. Ciao. J'espère que tu t'es pas fait une mauvaise opinion de moi. Ah non, pas du tout, hein, pas du tout. Tu es quelqu'un de sympa. Je viens souvent aussi. Moi, je te dis, moi, quand je passerai, je te vois, je te saluerai. D'accord? Merci. Porte-toi bien, hein, bon week-end. Surtout, n'abuse pas du mouton cadet. Hein.
Non, t'en fais pas. Ok, bye bye. Tu sais, mon grand-père maternel, il était concierge et il a été extra maître d'hôtel à l'Élysée. Il a fait un extra maître d'hôtel à l'Élysée, il en était plein. Et il a été extra maître d'hôtel à l'Élysée à un repas avec le général de Gaulle. Ah, oh, un repas avec le général de Gaulle. Merde. Ouais, mais pour faire encore être avec des gens comme ça que je ne connais même pas les causes avec eux. Les Camerounais, là, moi, ils ont soufflé la vie. Aïe, ah, là, 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 je veux voir les choses ici. L'Europe, ce n'est pas facile pour les gens. Ah, je veux devenir assistante sociale. Non, je peux faire le concours hein, parce que j'aime bien écouter les âneries des gens, quoi. Ouais, Ben, elle est dingue. C'est quoi avec toi? Tu me vois quand? Demain, c'est dimanche, non? D'accord. Je t'attends. Aïe. Non. Voilà, voilà l'homme bang. Moi, je préfère. Non, je préfère rester comme ça parce que ça ne sert à rien. Parce que moi, quand je me rapproche des gens, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'exaspère les gens à ma façon de penser, à ma façon de faire les choses. Je pense que comme je suis vraiment une personne assez gentille, une personne très sympa et très gentille, c'est peut-être pour ça que tout ça m'arrive, quoi. Parce que moi, je ne vois pas là où ce que j'ai fait de mal. Voilà, je suis poli, je salue les gens, j'accueille bien les gens chez moi. Je fais ce que les gens veulent de moi, qu'ils attendent de moi. Mais il suffit que je fasse juste un petit quelque chose qui ne va pas. Et puis ça explose. Ça veut dire que les gens qui sont avec moi ne sont pas les vrais. Ce sont les gens, tout le monde qui vient avec moi. C'est pour que je suis un peu la Stamania. Ben oui, je veux un peu. Je veux penser que c'est un peu ça, quoi. À demain, profitez bien. Mais oui. Au revoir. Oui, oui. Donc franchement, je veux penser que les gens sont derrière moi pour chercher vraiment la Stamania. Oui, moi je l'aime. Oui, parce que je suis vraiment la fille qui fabrique quand même pour les petits gens qui veulent être stars. Quand même. Mais attends. Tu es là, tu ne fais rien de mauvais aux gens. Tu poses juste une question aux gens, ça prend en ampleur. Et puis, ma cube magie, hein, se permet de me, c'est parce que je veux. Doudou Ngama, je veux t'envoyer les messages. Si elle ne m'a pas bloqué, je veux t'envoyer tous ces messages que tu vas dire non. Comment elle peut dire que c'est. Si j'ai un temps, est-ce que j'insulte les gens, même que je ne l'insulte pas? Tu fais la pub, voilà, je fais même sa pub au contraire. Hmm? J'étais cobaye chez elle combien de fois? Cobaye. Elle vient avec un produit, elle me donne. Mais ça ne met pas. Au moment, le même produit qu'elle avait mis, qu'elle est partie au Cameroun, je suis restée ici, je suis devenue noire. J'ai dit que maman vient prendre tes produits, ne peut pas vendre tes produits. Les filles qui ont payé ces produits-là, elles peuvent. Tu vois, les femmes qui peuvent vous dire, elles sont obligées de faire ramener que les gens lui envoient ses produits et ramener d'autres produits pour envoyer à ses clientes. Parce que moi, je ne les vends pas parce que les produits ont commencé à me donner des boutons et tout. C'est les produits, c'est alors qui marchent. Les produits, c'est qui marchent, qui donnent vraiment un bon teint que moi j'aime. C'est tout. C'est mauvais de faire la pub aux gens. Si elle était tellement célèbre autant que ça, hein, elle allait faire sa pub elle seule, non? Donc pour l'instant, moi je veux rester un peu seul dans mon coin. J'ai plus du tout envie de fréquenter les gens. Plus du tout, hein. Sans vous mentir, hein. Non. Je fais mes choses seules. J'aime bien les gens, mais je suis désolé que ça arrive dans ce genre de proportionnel là, qu'on est déjà arrivé là. Hein? C'est quoi? Et c'est mon blanc, les blancs de Yenga. Tu sais qu'il y a beaucoup de blancs de Yenga, non? Ma part ne vient jamais se laisser à Facebook. Ah, le goût de ça.
je te dis non. De toute façon, vous savez qu'ici, les gens qui vont s'aventurer ici pour m'insulter ou bien pour dire quoi que ce soit qui ne me plaît pas ici, bah non, chérie, tu ne m'insultes pas, chérie. Tu es mon amour, non? Non, je veux créer mes choses maintenant, je ne veux plus. Je veux préférer même vendre, créer des pages pour maintenant faire la pub des gens que je ne connais même pas. J'ai fait ta pub, tu passes là sur ça. Maman, quand les gens veulent la stamania à Facebook, même si les gens disent que je ne suis pas star à Facebook, je m'en fous de voir ça me donne d'abord quoi. Les gens disent que je ne suis pas star à Facebook. Mais allez alors voir vos grandes stars que vous enjurez là pour faire la pub. Hein? Qui va vous faire la pub? Elle dit que attends. Quand va te déchirer, quand va te... N'est-ce pas, tu as envoyé les sacs et les huiles là-bas. Quand elle va te déchirer, elle va te jeter tes sacs là, les abonnements là, tu vas entendre ici à Facebook. Tu ne les connais pas sur Facebook, attends. Moi, en ce qui me concerne, sans te mentir, Liliane Mungo, ma cube magie. Ah ouais, alias ma cube magie, son nouveau nom. Comme j'ai tout ce que j'ai dit, je le pense vraiment et je m'en fiche carrément. Tu entends, non? Je m'en fiche carrément. Sache que quand tu mettais ta première pierre au sol, tu as mis ça cette année. Tu as commencé ta construction en 2019. Moi, j'ai commencé pour moi il y a des années. Ma première maison date des années 90. J'avais quel âge? L'autre, dans les années 90, 2000. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. Je suis peut-être ta petite sœur. Mais on dit que les petites sœurs peuvent dépasser les grandes sœurs. Toi et moi n'est pas pareil. J'ai mes petites choses que je fais. Tu entends, non? Tu ne peux pas imposer aux gens. Connaissez-vous? Tu ne peux pas m'imposer. Ouais, ça va couper. Je veux te dire quelque chose. Tu ne peux pas m'imposer à faire ce que je ne veux pas. N'est-ce pas? Je vends ces huiles. Comment? Moi, je dis que moi aussi, j'ai mon petit projet en poudre rouge, non? Ah? Elle me dit carrément que non. Maintenant, les gens qui. Si je vends. Si je vends les ampoules rouges, je vends ces produits, elle garde l'argent pour faire le chantier de 55 millions l'ensemble. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'avais le projet de ça? Non, vous me dites-moi. Parce que là, on va aller loin. Mes amis, dites-moi. Je n'est-ce pas, je vends tes choses, n'est-ce pas, tu vas me payer mon salaire. Comment tu veux retenir mon salaire pour dire que tu vas prendre mon salaire pour aller faire les produits pour on va faire un village, des maisons ensemble. Ça dépend ce que je veux. Non, ça veut dire que tu veux m'entupler, c'est ça, non? Tu veux m'entupler? On est d'accord? Je ne suis pas d'accord, là. Non! Vous comprenez? Donc, si je paye quelque chose chez toi, hein? Si je vends tes produits, tu me donnes mon salaire, non? Pourquoi tu veux retenir mon salaire? Pour dire que non, on garde le salaire, c'est parce qu'on va faire un village pour les maisons. Moi-même, j'ai mon produit de mon auberge en poudre rouge qui ne finit pas. Ça ne va pas m'aider pour finir mon ampoule rouge. Voilà le problème là où ça commence maintenant. Vous comprenez? Comment tu vas prendre mon salaire? Parce que non, quand je parle là depuis, je ne parlais pas trop. Donc j'attends. Quand elle m'attaque, c'est là qu'on va s'attaquer. Vous allez me dire l'histoire-ci. Et vous allez dire que je ne veux pas parler. C'est avant vous. Elle met beaucoup d'autres choses. Maman, mon je travaille pour toi. Ouais, je fais la bonne chose. Maman, les gens viennent payer. Hein? Tu prends mon salaire, tu dis que non. Maintenant, c'est que pour les produits. Maman, tu veux prendre quelqu'un pour que j'aie été à l'école. Hein? J'ai été à l'école. Il y a certains comme toi-même, tu ne sais même pas écrire le français. Il y a des gens comme toi qui savent peut-être parler le français. Le basse français qui ne savent même pas écrire. Moi, mais je ne sais pas. On dit qu'elle est essayée, tu es ici. Il y a beaucoup de gens qui sont ici à Facebook. Attends, toi et moi, on va finir. Dis donc, maman, donc je suis venu en France pour travailler pour une personne, Massa. Je travaille, je fais la publicité, elle a pris l'argent par moi pour dire que non, l'argent que tu construis là, l'argent que tu fais ça, si tu vends peut-être 300 euros de produits, ça va te faire 150, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Non, pas 300 euros de coffret pour te mettre d'abord combien, 150 euros. Donc, ça va te faire vraiment des. 150. Tu prends peut-être deux, je prends peut-être trois coffrets. Trois coffrets, ça fait 450 euros. Donc, je suis ça, j'ai 150 euros. Au lieu qu'elle me remet mes 150 euros,
On m'a donné mes 150, on prend mes 150 euros là pour aller. Pour aller maintenant dans sa concession qu'elle fait de 55 millions là. Donc moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas besoin de mes 150 euros pour payer aussi mon sable dans mon ampoule rouge. Tu vois, il y a des gens comme ça qui me prennent, ils me prennent comme si je suis une bête, comme si je suis une idiote. Oui, 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 ça s'est passé comme ça. Après, j'ai demandé, laissez. Je ne veux pas tout dire, tout si. C'est le week-end, non? Vous croyez que je suis bête? Quand ma mère sortira là-bas, je vais la finir une fois. Sur ce, on est ensemble. Vous allez me dire bien. Vous allez me dire si l'histoire c'est vrai. Donc moi, mais c'est quand même appelant. Une star comme moi, je vais faire de la publicité pour toi. C'est toi qui restes avec l'argent pour aller construire tes immeubles avec mon argent. Comme ça, j'aurai une part dedans. Bonjour chérie. Ça va chérie? Oui, mon cœur. Hein? Tu vois? Et comme ça, j'aurai quelque chose dedans. Hey! Je vais voir l'immeuble là un jour. Est-ce qu'on a signé le contrat que voilà ça, que je peux aussi aller au commissariat que voilà, on avait signé. Ah, aucun contrat, donc je travaille pour toi gratuitement. On en avait? Non, ma soeur, c'est mort là. Tu sais, mes amis, hein. Maman, ma part, elle est. Moi, quand vous ne m'aimez pas, hein, moi, je veux maintenant avoir un sentiment que personne ne m'aime et que personne ne m'aime. Je vous manque pas, je suis fatiguée avec les gens. Chaque fois que je suis dans une relation avec une fille, surtout les filles qui veulent se faire voir. Les petits pétasses là qui veulent se faire voir dans les réseaux sociaux, ça finit toujours mal comme ça. C'est tout le monde qui vient penser à part de mal. Vous prenez que la malchance chez la veuve, la malchance. Comme vous dites là que c'est vous qui me nourrissez. Vous me nourrissez. En tout cas, je vous laisse. On est ensemble. Maman, le goût de ça. Je dois travailler gratuit. Donc je travaille chez toi gratuitement. Tu prends l'argent, tu vas faire tes choses. On a signé un contrat. Non. C'est normal ça? Bon, je vous laisse. Hein. Si l'histoire se continue, nous aussi on va continuer ce soir. Si elle est en direct, hein. Fiche la paix, dis donc. Elisabeth, fiche la paix. Je t'ai prononcé ton nom ici. Tu es malade mental. On conduira. Hein? Quand tu mélanges, je bouffe là-bas. Pardon, c'est moi, embrasse-moi la mère, pardon. Tu es star de Facebook. Elisabeth, est-ce que tu es star à Facebook? Sérieux? Oh! Tu es chez toi. Tu es star à Facebook. Qui te connaît à Facebook? Hein? Moi, laisse-moi c'est dans mon coin. Tu es fatigué des problèmes. Maman, un petit contrat écrit aussi qu'on dit que la veuve joyeuse, donc je dois travailler pour toi pour rien et tu prends l'argent là. Parce qu'elle ne voulait plus me payer. Elle ne voulait plus me payer, mes soeurs. Comment elle ne voulait plus me payer maintenant? Elle dit que non, l'argent là, comment on va faire notre village et tout ça, et comme ça tu auras ta maison. Tu sais que je veux vivre à Yaoundé, je veux suivre moi de Sangmelima, j'ai vécu chez moi à Sangmelima. La tête de mes ancêtres à Sangmelima. Tu sais que je veux vivre à Yaoundé. Ouais, Bolova, ouais, Kribi. Hey! Ah, les gens me prennent comme ma gentillesse, tu vas me perdre un jour. Ah! Maman, elle ne me doit rien. Hein. Bon, c'est bon, la maman va faire tes trucs avec les gens qui vont te suivre là-bas. Les coqueries de ça. Oh, va chier toi, laisse-moi. Maman, je préfère rester dans mes cafés avec mes petits pauvres blancs, comme ça, on reste nous là-bas. On parle de comment continuer ma vie. Oh, la reine mère galactique, je t'adore. Je ne sais pas pourquoi je t'aime bien. Peut-être c'est ton nom, hein, je ne sais pas. Ah! Le goût de ça! Mami Sunga! Voilà Mami Sunga ici que j'ai secoué ici. Vous vous souvenez de l'histoire de Mami Sunga? Quand Mami Sunga est partie, je m'attendais Baba de là-bas. Demandez et moi, on n'a pas secoué Mami Sunga ici à Facebook. Oh, Mami Sunga, oui, ça parle de dose ici. Hey, Baba! Je suis devenue maman la moins chère de Facebook, tout le monde vient m'escroquer la veuve. Donc je veux parler pour rien. Puisqu'on va prendre mes petits agents que j'ai pour aller construire l'immeuble. Moi j'aurai quoi dans l'immeuble là? Qui va me connaître dedans? On vient quand même, on signe quand même un petit contrat, donc on dit que voilà la veuve. Comme ça, c'est que au moins j'arrive au Cameroun. Et on va légaliser ça. J'arrive au Cameroun, on dit que moi j'ai un appartement ici. Donc je veux passer ma vie à faire des publicités aux gens pour rien. Vous prenez encore l'argent. Même le Dagobert, je n'ai pas. On va faire un village.
On va faire un village. Un village. Quand j'aurai une maison là-bas, tu sais que je vais faire un village, j'ai besoin du village. Je suis moi à Saint-Moulima, pardon. Maman, c'est à mort ici en France. Oh, je suis trop sympa, trop gentil, je pense que c'est pour ça. Ah, comme j'ai refusé, alors là, bon, comme c'est comme ça, les problèmes commencent. Ah. Maman, ici, puis moi là, bonne journée. Hein. Ne vous inquiétez pas, l'histoire, si, c'est l'histoire du week-end. Ma cube magie et moi, on n'a pas fini. Ma cube magie, sache que toi et moi, on n'a pas fini. Entame là-bas, je vais entamer. Propre. Ah! La femme de Laurent de Grémont. Laurent Emmanuel de Grémont, tu es même moi, pourquoi? Que vos maris, vos blancs, restent vivants, sans mourir. Arrêtez d'avoir vos papiers. Soyez français avant. Hein. Moi, j'ai jamais été française, mais j'ai tout, j'ai droit à tout. Moi, j'ai moi les enfants. Oh. En tout cas, mes amis, je vous laisse. Et vous avez même fait propre. Maman vient faire la vieille loup. On vient faire une comme moi. Les gens pensent que comme la veuve est pauvre, la veuve n'a pas été à l'école. Hein. Ah. Tout à l'heure, mes amis. Tout à l'heure. Je vais manger un peu. Tout à l'heure. Bonne journée. Tout, on va éduquer. Ça, c'est la nouvelle phase, non? Quand je me réveille là avec 15 heures. Connectez-vous. Comme ça, on va finir l'histoire. C'est parce que moi, j'aime quand j'ai fini mes histoires. Je vais parler de ça. Comment ça a commencé? Jusqu'au début. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Vous venez escroquer la veuve? Tu viens escroquer la veuve? Vous n'avez pas pitié de moi? La France, c'est... Ah, heureusement que je suis katakata, moi-même, Elle s'appelle ma cube magie. Parce que elle gesticule tout ce que c'est. Comment on dit les... Parce que quand tu mets des sels dans la mamie, les sels déjà parfumé la mamie, non. Ça a déjà un goût, non. Maintenant, on met le cube magie pour que le cube magie relève encore le goût. Le cube magie, c'est comme les piments. Hein? Le cul magique, c'est comme le piment. Le piment! Le cul magique, c'est... En toi, moi, je suis ton problème. Tu viens à la maison, il n'y a pas de souci. Pas de souci, tout le monde finit d'abord. Ce que je suis, c'est ça. Ah, ça va, chérie? Et toi? Oui. La forme? Bah oui, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Non, oui, tu étais où? J'étais un peu malade un peu, je suis allée un peu non, bizarre. Ça va. Et là, tu vas où? Moi, je vais chez Serge à côté. Tu vas où? Chez Serge à côté. D'accord. Ok, ne bois pas tout. Hein. Hmm? Ne bois pas tout. Bonjour, pour moi, on ne boit rien. Bah oui, parce que tu prends ton argent pour boire seulement avec, c'est pour ça. Ok, on est ensemble. Bye. Bye bye. Ciao. Ce sont mes amis du quartier. Bon, tout à l'heure là. Maman va escroquer la veuve. La pauvre veuve, c'est tout le monde qui va venir ce que la veuve. Aïe! Donc, j'ai envie de pleurer. Je vous laisse tout à l'heure. Connectez-vous. Si elle fait un duel là-bas, vous me dites seulement ce qu'elle a dit. Les vérités vont sortir ici. Bon. Fleur de ligne cosmétique, ne viens pas parler ici. Non, tu viens te moquer de moi là. Tu viens te moquer de moi. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Gros bisous. Fleur de ligne cosmétique, retourne chez toi. Tu viens chez quoi ici? Va là-bas. Allez là-bas. On va escroquer la veuve. Si vous voulez que ça sorte, je m'en vais appeler Lolo. J'ai dit que Lolo. Si vous voulez que vous voulez avoir les vues, je m'en vais appeler les grands stages. J'appelle quelqu'un comme la maintenant, elle va parler de ça. J'appelle Lolo va parler de ça. Elles ont les vues, moi j'ai pas moi les vues. On va dire comment est-ce que la pauvre veuve. C'est pas l'escroquerie. Ah, l'escroquerie de ça. Vraiment, je vous laisse tout à l'heure. Bon appétit à vous. Bye. Soyez fiers de vous. De qui que vous soyez. Soyez fiers de vous. N'acceptez pas quand vous marchez dans les pieds. N'acceptez pas. Voilà.